Hawaiian Beat Zone System. Enfin, putain, tu es là. Oh, Kitty, un autre drink. Tu te rends compte de ce que cette merde a fait? Cette salope égoïste. De quelle salope tu parles cette fois-ci? Cet enfoiré d'Angel Dust. De qui d'autre je pourrais parler? Réfléchis deux secondes. Cette merde molle m'a laissé tomber. Moi, c'est moi qui l'a créé. Putain, sans moi, ça serait qu'un bout de viande informe avec des orifices à peine attrayants. Il a démissionné? Non, il a pas démissionné. C'est pire. Il a déménagé. Il pense qu'il peut simplement amener ses fesses, travailler et tranquillement passer son temps ailleurs. Tu peux croire un truc pareil, toi? Il croit peut-être qu'il peut faire ce qu'il veut et vivre avec cette bimbo de fille de Lucifer. Tu veux dire qu'Angel crèche chez la fille de Lucifer? Ouais, cette grosse pute, Charlie, Charmy ou je sais pas, un truc du genre Javada, elle a cet hôtel-là. Lequel me rend le plus sexy d'après toi? Oh, qu'est-ce que tu fais, Val? Pas question que tu ailles là-bas. Cette sous-merde lubédineuse va pas tarder à se rappeler à qui elle appartient. Je vais les défoncer bien comme il faut dans leur trou merdeux, je jure devant Dieu. Réfléchis un peu. Notre marque est la perfection. Et d'après toi, partir à la chasse aux petites suceuses aura quel impact sur notre image? Tout foutre en l'air. Gagné. Tu veux que les gens pensent que tu ne sais pas contrôler tes employés? Non. On est d'accord. Et dis-moi, tu l'as toujours sous contrat, non? Il n'ira nulle part. Donc, il faut que tu fasses rien du super tout. Super idée! Mais c'est bien pour ça qu'il te file autant de fric. Mais j'avais vraiment envie de défoncer quelqu'un. Eh bien, je vais appeler les moins rentables de ce mois-ci. Oh, tu me connais si bien. Sache quand même qu'Angel n'est pas le seul à passer son temps dans cet hôtel miteux avec cette princesse diablessa. Qui d'autre est là-bas? Quelqu'un qui te doit de l'argent? Quelqu'un qui me doit plus que de l'argent. Le démon de la radio y est aussi. Qu'est-ce que tu viens de dire? T'as bien entendu. Alastor est revenu. Il est avec la fille de Lucifer. Et ce n'est pas la première chose que tu penses à me dire. Eh, hey, c'est toi que ça fait bander de tuer Alastor.